Jardinier. Alors aujourd'hui, bah écoutez, on va continuer les travaux. Donc nous sommes tout fin septembre et bah, j'avance tout doucement dans ma restructuration. Donc ça ne va pas très vite, il y a tellement de travail. J'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, donc vous allez me voir à différents endroits. Voilà, j'aime pas faire des tâches trop longues, voilà, j'aime bien changer de temps en temps, voilà, des choses où je suis accroupie, des choses où je suis debout. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que rien n'est fini, mais ça avance quand même tout doucement. Bah écoutez, je vous laisse venir avec moi au jardin et voir tout ça. Allez, on commence par la tour à fraises, enfin l'ancienne tour à fraises qui est vraiment grand fouillis, ça vous l'aviez déjà vu, et un coup de baguette magique, et hop, c'est déjà un peu moins le fouillis. Bon, il reste encore du travail évidemment, mais ça va venir. Et puis là, le long du mur, eh bien, on voit qu'il me manque des bouts de bois, parce qu'ils sont tous vermoulus, donc je les garde parce que je vais m'en servir pour les mettre au fond de mes gros pots. Enfin, je vous en reparlerai plus tard. Ça sera un travail pour plus tard. Donc voilà, j'ai pris les bouts de bois qui étaient au pied de l'abricotier. Donc ça entourait tout le tour. Il y avait des fraises framboisines qui donnait pas grand chose, donc j'ai tout arraché et puis voilà, je laisserai pousser de l'herbe après. Ça sera peut-être plus simple pour passer la tondeuse. Alors là, vous voyez les chardonnerets qui s'en donnent à cœur joie sur les tournesols. Donc c'est ce que j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je n'ai des chardonnerets que depuis que j'ai des tournesols en pleine terre. Si je leur mets des graines, ça ne les intéresse pas. Par contre, ils aiment venir les picorer sur pied. Donc pour l'instant, bah, je suis obligée de laisser encore quelques tournesols pour qu'ils me tiennent un petit peu compagnie. Et puis, j'arracherai un petit peu plus tard. Donc souvent, je tourne autour des tournesols pour leur laisser leur nourriture. Alors, on va passer dans la grande allée. Donc la grande allée, eh bien, elle est toute à restructurer puisque je veux enlever tous les petits pots qui y étaient. Donc là, ils ont déjà disparu, il n'y a plus que les gros pots bleus. Donc pour l'instant, là, ce sont les belles de nuit que vous voyez, donc elles se ressèment toutes seules. Et puis moi, le but, eh bien, c'est peu à peu de remettre des plantes qui n'aient pas besoin de beaucoup d'eau, qui s'autosuffisent un petit peu toutes seules pour garnir tout le long. Donc vous voyez que là j'ai déjà investi dans une plante stipa. Donc les stipas, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau, ça pousse dans les cailloux puisqu'en dessous j'ai très peu de terre. Donc on voit qu'il y en a déjà quelques-unes avec celles qui se sont ressemées toutes seules. Là c'est un gora que j'avais planté, donc là les belsamines se sont semées toutes seules. Un autre stipa, différentes petites choses. Et puis là, bah, c'est le gora que j'avais mis l'année dernière. Et on se rend compte que ça fait un joli tapis, donc je pense que je vais faire tout du long comme ça pour l'année prochaine. Alors là, on passe derrière avec bah, les fraisiers qui sont à nettoyer. Donc voilà, j'ai commencé par faire un premier carré que j'ai bien nettoyé. Donc évidemment, c'est tout propre, j'ai tout arraché. Hein. Et puis en attendant, j'ai mis en jauge. Donc là, on voit que j'ai déjà fait mon deuxième carré. J'ai mis en jauge le temps de remettre. Alors j'en ai racheté 6 et puis je vais en remettre d'autres avec mes stolons. Donc là, bah, c'est le terreau que vous m'avez vu récupérer la semaine dernière. Donc je le mets en place et ensuite, je peux repiquer
mes fraisiers, mes stolons. Donc on voit bien qu'il y a deux couleurs, hein. Après ça se remélange à nouveau avec ma terre, mon compost de surface. Et je remettrai encore du compost par-dessus plus tard. Donc gros travail de nettoyage. Alors, on revient quelques jours plus tard vers les fraisiers. Donc là, j'en profite pour vous montrer le chou qui est en train de bien paumer. Donc cette fois-ci, j'ai fait 3 carrés de fraises, donc entre les anciens, les nouveaux. Par contre, j'ai quand même laissé encore un pied de tournesol parce qu'il donne juste devant ma fenêtre de cuisine et j'ai envie de profiter des chardonnerets. Donc je l'arracherai quand il sera vraiment terminé. Et puis, ouais, on voit que j'ai déjà rajouté encore du compost. Et puis là, il me reste encore ce dernier carré. Lui aussi, il a un pied de tournesol, un pied d'artichaut. Donc, je verrai après. Et puis là, j'ai encore un autre carré de fraises, les fraises qui entourent l'asperge. Donc, tout n'est pas encore nettoyé derrière. On voit encore les tournesols. Mais ça vient tout doucement. Donc, c'était un gros travail, ce nettoyage déjà des fraisiers. Et puis là, j'attaque le grand jardin. Donc, pareil. Il y a encore beaucoup de tournesols, mais là, il faut vraiment que j'avance quand même dans le travail d'automne. Il fait beau. Après, je sais bien que quand il fera froid, j'aurai beaucoup moins envie d'aller au jardin. Ça sera boueux. Enfin, donc, il faut que j'en profite maintenant. Et puis, bah, tant pis pour les quelques fleurs de tournesols qui restaient. Voilà, je garde les têtes pour les oiseaux, celles qui n'ont pas encore été mangées. Et puis, tant pis pour les dernières fleurs. Donc on me voit en train d'arracher, de couper. Il faut que je retire les liens aussi en plastique rigide qui ont servi à attacher. Enfin, voilà. Et puis après, tout va partir en petits morceaux dans le compost. Enfin, les plus gros, je les évacuerai peut-être à la déchetterie pour une fois. Et puis le reste, je vais continuer à tout mettre au compost. Donc gros travail aussi. Donc après, j'arrache. Une fois que j'ai coupé les grands tournesols, ben j'enlève la terre, je continue à arracher. Donc ce coin-là, même la côte de bête, avec tout y passe, parce que là, il ne faut plus que je fasse de sentiments et que je garde des petits trucs. Il faut vraiment que je fasse place nette. J'ai le gros cardon à côté aussi, que je vais tenter d'arracher. Enfin, de diviser, on va dire. Et puis, voilà, ben pendant que je fais mes travaux, ben je tombe sur... des insectes aussi. Donc là, j'ai trouvé ma menthe religieuse. Je l'ai même trouvée aussi à l'intérieur de la maison cette année. Donc, je dois en avoir plusieurs. Et puis là, ben, c'est le mâle. Quand j'ai redéfait mon tas de compost, je suis tombée sur le mâle. Donc, lui, il est tout marron. Il est tout marron. Donc, j'en avais vu une fois un tout petit, mais celui-là, il est gros. Et je pense qu'il s'était logé dans ce bout, justement, de tournesol qui est en décomposition. Il me semble qu'il est sorti de dedans. Bon, je pars tous azimuts aussi dans ces gros travaux de nettoyage. Donc là, on me voit en train de couper le buddleia ou l'arbre à papillons. Donc j'enlève le bois mort. Donc je me reprends, hein, je fais des activités où je suis quatre pattes, des activités où je suis debout. Enfin, j'essaye de varier les plaisirs parce que voilà, les après-midi sont longues et les matinées aussi. Donc... il faut que je bouge de façon différente pour pas trop m'abîmer l'épaule ni le dos. Donc, j'ai l'impression de tout commencer et de rien finir, mais ça va bien finir par être fini. Mais il va me falloir le temps. De toute façon, vous verrez vraiment le final, je pense, au mois de novembre, parce que je vais déplacer des arbres. Enfin, donc là, j'attends encore plus longtemps. Donc là, c'est pareil, hein, on me voit en train de couper, mais je n'ai pas terminé parce que j'ai le romarin à côté qu'il va falloir que j'élague beaucoup aussi. Donc, il y a vraiment une grosse restructuration à faire. Et puis, il faudra que je replante de la pelouse parce que vous voyez que là où il y avait les poules, il n'y a plus d'herbe du tout. Donc, je pensais qu'elle allait repousser d'elle-même, mais étant donné qu'elle n'a pas repoussé cet été, je pense que je vais ressemer... au printemps prochain. Donc il va falloir que je gratouille un petit peu et que je ressème. Donc il y aura encore du travail. Donc vous voyez que mon composteur est plein, hein. Deuxième composteur, je l'ai nettoyé aussi et il est complètement plein. Donc je vous montre maintenant l'état du grand jardin depuis qu'il a été un petit peu plus nettoyé. Donc là, on voit que j'ai de la tétragone. Bon, honnêtement, j'ai goûté. Je trouve pas ça formidable. Il faudra que j'essaye de mélanger avec de la salade pour voir.
Bon, j'ai des betteraves aussi qui sont assez jolies. J'avais deux choux au fond là, mais qui ne donnent rien du tout. Donc encore des tomates, mais pour l'instant elles sont vertes, hein, celles-ci. Enfin, j'en ai déjà cueilli, mais il n'y a plus que des vertes. Et puis là, bah, c'est champ d'amarante. Hein. Donc je laisse, ça fait de la déco en attendant. Donc la chose que j'ai faite, c'est que j'ai repiqué quatre choux palmiers. Ça au moins c'est bien propre, bien net. Donc toujours des amarantes. Donc là, bah, on voit des tomates cette fois-ci. Voilà, qui... il y a un regain de tomates, mais toutes vertes. J'avais ramassé les autres. On a encore des tournesols, hein. J'ai pas pu me résoudre à tout arracher pour l'instant. Donc là, on voit qu'il y a un poivron ou un piment, c'est plutôt un piment. Et puis, bah, au pied, j'ai des butternuts, donc encore quelques zinnias. J'avais aussi des marguerites. Là-dessous aussi, j'ai des patates douces, mais qui sont toutes petites pour l'instant. Donc j'espère qu'elles vont se former. Bon, pour l'instant, je n'y touche pas. Je verrai en octobre. Fin octobre, si je ramasse mes patates douces. Et puis là, bah, je vois que j'ai deux petits butternuts, mais alors là, vraiment, ils sont tout petits, donc je ne sais pas ce que ça donnera. Et voilà la partie que j'ai nettoyée, ce qu'on me voyait nettoyer tout à l'heure. Alors, j'ai voulu diviser mon cardon, mais j'ai un petit peu tout cassé. Et bon, j'ai essayé de repiquer trois morceaux, mais bon, on verra ce que ça va donner. Donc, voilà pour le jardin piscine. Eh bien, la vidéo touche à sa fin. Donc, avec ce beau temps du mois de septembre, de très belles journées par ici. On a du 27 degrés, donc c'est encore merveilleux. On est même obligé d'aller travailler plus le matin pour pas avoir trop chaud l'après-midi. Donc, ben, écoutez, voilà, ça arrive tout doucement. Donc, je pense que je vous montrerai rien de toute façon avant le mois de novembre pour dire que ce soit vraiment en place. Et puis après, ben, je serai en attente que tout reverdisse. Eh bien, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt!